Conclusion, ben, plein de petits trucs à dire. Donc, déjà, merci d'avoir participé à cet atelier. Ensuite, ben, comment tester Nextcloud chez Indie Hosters? Ben, ça, en fait, à partir du moment où vous avez votre compte, eh ben, on ne va pas l'effacer parce que ce serveur mutualisé ben, sert de test, en fait, enfin, sert aux gens qui veulent effectuer leur test. Donc, vous pourrez vous balader dessus à l'issue de cette formation. Si vous souhaitez souscrire réellement pour votre organisation à un serveur Nextcloud pérenne, parce que là, le serveur mutualisé, il est pas pérenne pour les personnes qui sont pas sous contrat. C'est-à-dire que vos fichiers peuvent être effacés à tout moment, régulièrement, voilà. Mais si vous souhaitez souscrire à quelque chose chez Indie Hosters, ben c'est indiehosters.net/libre ou indiehosters.net et vous allez trouver facilement parce que le site d'Indie Hosters est très bien fait. Si vous voulez aller tester d'autres hébergeurs qu'Indie Hosters, parce que le but, c'est pas non plus de faire que la pub d'Indie Hosters, le but, c'est de vous fournir un maximum de billes pour vous autonomiser. Donc, il y a plein d'hébergeurs qui existent. Moi, dans une logique des communs, je vous recommande, et aussi dans une logique bah, de contrôle et de confiance, je vous recommande de regarder autour de vous ce qui se fait dans les hébergements d'outils libres. Vous avez certainement des amis qui sont dans des associations, etc. Voir ce qu'ils utilisent. Et si jamais vous êtes isolé du point de vue outils libres, vous pouvez toujours aller sur chaton.org. Comme les petits chats, c'est une liste d'hébergeurs associatifs, indépendants, pas orientés vers le profit, etc. Qui, ouais, Alex répond, c'est très bien. Qui donc liste bah, tous les hébergeurs un peu militants, en tout cas éthiques. Qui permettent ben, d'utiliser des outils comme Nextcloud, mais aussi plein d'autres. Donc, n'hésitez pas à aller sur chaton.org. Ensuite, comment se former à d'autres outils? Eh ben, il y a le calendrier des formations Indie Café qui est disponible. Ben, alors, il est sur le lien du. Alors, il était sur le lien du formulaire sur lequel vous vous êtes inscrit. C'est aussi sur le lien du Coweb Café. Que je peux vous fournir si vous me le demandez, si vous ne savez pas où retrouver le mail, le formulaire par lequel vous êtes inscrit, désolé. En tout cas, les dates prochaines ne sont pas encore fixées, mais il y en aura un par mois normalement sur toute l'année. On va rapidement fixer les dates prochaines. N'hésitez pas à vous inscrire aux infolettres de Coeb et de Indie Hosters pour être informé des prochaines dates. Ou suivre sur les réseaux sociaux aussi. Et pour la doc et l'entraide, vous avez tous ces sites. Ouais, Hugues, pour Indie Hosters, alors le tarif, il ne doit pas être mentionné sur le site parce que ça dépend de la taille de votre organisation. En fait, on fait des tarifs, comment dire? On essaie de faire quelque chose qui colle au plus près de la réalité des dépenses, en fait. Et du coup, plus il y a d'utilisateurs, plus ça va consommer de ressources et plus ça va nécessiter des machines. Et donc, du coup, c'est variable en fonction du nombre d'utilisateurs. Et pour vous donner un ordre d'idée, si vous êtes une organisation qui a 10 utilisateurs actifs, c'est-à-dire si vous êtes 50, mais il y en a qui se connectent de temps en temps, mais qu'il y en a 10 qui se connectent activement chaque semaine. C'est-à-dire, ça, on peut en reparler après si vous contactez Indie Hosters, de ce que ça veut vraiment dire, etc. On est assez ouvert au niveau des tarifs. Mais nominalement, c'est pour la suite Nextcloud, Jitsi, Rocket Chat et OnlyOffice avec Nextcloud. On est sur du 8 euros par utilisateur et par personne. Ce qui, à 10 sur une année, sur 12 mois, à 10 personnes, ça fait 960 euros. Mais c'est 10 personnes actives, encore une fois. Donc, vous pouvez être beaucoup plus dans l'organisation. Si vous êtes 10, mais qu'il n'y en a que 2 actives, ben, ça va être 16 fois 12, quoi. Alors, voilà.
Voilà, c'est ça. Donc, c'est une question qui n'est pas fixe et il y a aussi moyen de trouver d'autres arrangements de rétribution, etc. C'est-à-dire, si vous avez une organisation qui propose un service particulier qui peut bénéficier à Indiehosters ou à l'outil libre en soi, on peut en discuter aussi. Et si vous êtes quelque chose qui est militant ou quoi, il y a aussi des tarifications qu'on peut discuter. Voilà, il n'y a pas de réponse fixe à ça, mais je vous ai donné un ordre d'idée. Je termine sur la conclusion. Au niveau de la documentation, on a la documentation officielle de Nextcloud sur docs.nextcloud.com, qui est en anglais, mais donc il y en a une partie qui est traduite en français quand même. Vous pouvez aller sur le support de Indie Hosters, sur support.indie.host, où il y a toute la documentation d'Indie Hosters, en français, bien sûr. Alors, Indie Hosters, je ne l'ai peut-être pas précisé, c'est un nom anglais, mais c'est français, hein. C'est une association française. Et enfin, pour de l'entraide en ligne, il y a le forum officiel de Nextcloud en anglais et il y a deux autres choses qu'on vous propose en particulier. C'est le forum d'Indiehosters pour tout ce qui est techniquement, j'arrive pas à faire ci, j'arrive pas à faire ça, où il y a ça qui bug, etc. Et pour tout ce qui est comment je suis censé me servir de l'outil, c'est-à-dire pour tout ce qui est animation de groupe, pour tout ce qui est facilitation numérique. Que ce soit pour Nextcloud ou plein d'autres outils, que ce soit des outils libres ou pas d'ailleurs, il y a le Coeb Café, donc sur café.coeb.fr, qui est un forum en ligne aussi, et qui permet donc d'échanger comme je vous en ai parlé au début. Voilà.